Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lydia? T'es pas bien, t'es en train de chier. Non? T'es en train de pisser. Elle est possédée. Elle est pas bien, les gars. Elle est pas bien, elle est toute pâle. Bref, j'espère que vous allez bien. Hein. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode, un nouvel épisode de notre aventure sur Skyrim Special Edition. Alors, petit récapitulatif. Hein, donc, la dernière fois, nous étions rentrés tout simplement eh bien, chez les Sombrages. Et suite à la quête qu'on a faite dans la précédente vidéo, eh bien, je dois porter la hache au Jarl de Blancherive. Voilà, ni plus ni moins. Donc, écoutez, on va activer ça. On va ressortir de ce palais merdique. Hein. Il n'y a rien à voler. C'est terrible. Hein. C'est vraiment, vraiment nul. Voilà. Et puis, voilà, on va aller rendre la fameuse hache, hein, il va être content, donc c'est une hache malheureusement qui ne vaut rien, hein, sinon je pense que j'aurais annulé la quête et je l'aurais revendu ou je sais pas, j'aurais fait des trucs un peu chelous, tu vois. Oh, ça neige, ambiance un petit peu, tu te colles au coin du feu et tu ne bouges plus. Bref, alors, attendez, je regarde ma carte, où est-ce qu'ils vont me demander d'aller, bah c'est à Blancherive tout simplement. Eh, les gars, petit déplacement rapide des familles. On va à Fort Dragon, hein, on va rendre la fameuse hache, il va être content. Et ça va probablement, enfin je l'espère, nous emmener sur une autre quête. Hein. Voilà, ça serait cool. Ah, bah je préfère le temps d'ici. Que vous soyez ici et pas à Rivebois. Ces misérables n'ont même pas un mur pour se protéger. Ah d'accord, toi tu pisses sur les gens des petits villages perdus comme ça. T'as cru que t'étais qui toi? Bref, regardez, la montagne là-bas. Hein. Bref, allez, on continue, let's go. J'ouvre Fort Dragon, on va aller trouver ce fameux Jarl, hein. Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée. Alors je m'entraîne avec mes poings. Eh ben c'est bien, tabasse ta frangine, c'est bien. Non, je déconne, hein. Pas de violence, on ne touche pas les femmes et on n'utilise pas la violence, on se bat pas. Voilà. Sauf dans Skyrim, bien évidemment. Allez, c'est parti. Puisse les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Le Jarl Ulfric Sombrage m'a demandé de vous rapporter cette hache. Tenez. Oh, vraiment? Je dois bien admettre qu'il est tenace. Je suppose qu'il est temps que je lui donne une réponse. Momentus, que pensez-vous de tout cela? Si Ulfric venait à attaquer Blancherive... Comme en tout, je conseille la prudence, seigneur. La proie attend. Je suis d'accord avec Irilet. Il est temps d'agir. Vous avez l'intention de marcher sur Vendôme? Oh là! Je ne suis pas stupide, Proventus. Il est grand temps de mettre Ulfric au défi de m'affronter comme un homme ou de lancer ses sombrages contre les murs d'enceinte. Il ne fera jamais ça. Un coup de dague dans le dos, voilà à quoi il faut vous attendre. Il a été plutôt direct avec Torrig. Torrig? Il s'est approché du garçon et l'a assassiné. Ce garçon était au roi de Bordeciel. Je ne suis pas au roi, mais je ne suis pas non plus un enfant. Si Ulfric veut contester mon pouvoir à la manière des anciens, qu'il le fasse. Bien que je soupçonne qu'il préférera envoyer ses sombrages agir à sa place. C'est vrai. Il a déjà prouvé sa force. Il cherche maintenant à démontrer celle de son armée. Alors, pourrais-je vous conseiller de réfléchir à la requête du général Tullius? Si vous avez l'intention d'offenser le Jarl Ulfric... C'est plutôt Ulfric qui s'est montré offensant. Mais Proventus marque un point. Pour Ulfric, c'est très clair. Dans son esprit, refuser ses prétentions et s'allier avec l'Empire. Et quel mal y a-t-il à laisser quelques légionnaires mourir à la place de vos hommes? C'est de la lâcheté. Alors, était-ce de la lâcheté d'accepter les termes du traité de l'or blanc? Faut-il que ça revienne toujours? Ça n'avait rien à voir. M'a-t-on laissé la moindre chance de m'opposer aux termes du traité? Non! Les Jarls n'ont reçu aucune proposition, mais des ordres. Et nous devions faire mine d'être d'accord. Les coffres pleins d'or ne gâtaient rien. Bon sang, ce n'est pas l'or qui compte! L'heure est venue de décider. Attendez, seigneur. Voyons si Ulfric est sérieux. Oh, il est sérieux. Mais je le suis tout autant. Enfin. Au sujet de cette hache, vous pouvez remettre cette hache à notre ami. Le valeureux Jarl de Vendôme a ma réponse. Assurez-vous bien de la lui faire parvenir. Proventus. Portez-moi ma plume et mon plus beau parchemin. Ok, d'accord, donc là apparemment il y a grosse embrouille, hein. Je pense que ça sent la trahison. Ça sent la trahison, mesdames et messieurs. Ouais, bon, j'ai l'habitude, hein, maintenant, je pense que je vais devenir une véritable petite catin, hein, dans le jeu, il faut bien l'avouer. Donc, on regarde la carte. Où est-ce que ça nous emmène tout ça? Où est-ce que ça nous emmène? Je cherche l'objectif, bien évidemment. Non, il n'est pas là. Attendez, attendez.
D'accord, ok, donc je dois bien retourner à Vendôme. Eh bien, on va aller au palais des rois et je vais remettre encore un nuage. Donc ils m'ont pris pour un putain de coursier. Hein, je leur apporte des colissimos à ces petits bâtards. Ils sont contents, très bien. Ok, bon, heureusement que je fais des allers-retours rapides. Hein. Putain, parce que t'imagines le mec qui fait les allers-retours. Il y en a, il y en a qui ne font pas... Il y en a qui ne font pas d'aller-retour rapide, hein. Ils y vont vraiment, ils font tout à pied. Mais bon, par contre, ils XP de ouf, hein. Ça c'est sûr que là-dessus... Je suis chargé de la cuisine et du ménage au sein du palais. Ok, je lui remets la hache, bien évidemment. Lapit, nous devrions prendre Yarl Marche. Là, alors, voilà, je me hop. Sur son compte. Le Yarl de Blanchet vous rend votre hache. De nouveau. Oh là là. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Vous n'avez qu'un mot à dire, monseigneur. Et Blancherive est à vous. Blancherive n'est qu'une étape pour parvenir à notre but. J'ai passé nos camps en revue. Nous sommes prêts, Ulfric. À votre signal. Est-il possible d'être prêt à donner un ordre qui se soldera par la mort de milliers de personnes? Non. Mais tous les hommes ne sont pas forcément capables non plus de donner cet ordre lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais vous êtes cet homme, Ulfric. Vous l'avez déjà été, et vous le serez à nouveau. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ils se font appeler sombrages parce qu'ils croient en vous. Ce sont les durs à cuire, les plus coriaces et les plus implacables de bord de ciel. Ils en ont envie. Ils en ont envie tout autant que vous. Peut-être plus encore. Sommes-nous vraiment prêts ? L'armée de Blancherive sera sans aucun doute renforcée par des légionnaires. De plus, les remparts de la ville sont anciens, mais ils sont toujours debout. Nous sommes prêts. Oh là là. Moi, je suis peut-être âgé, mais j'abattrai ces maudits murs à coups de pied si vous me demandiez de le faire. Oui, et je suis sûr que vous pourriez le faire. Très bien, nous y sommes. Oui. Envoyez le message suivant. Une nouvelle aube s'annonce et le soleil s'élève au-dessus de Blancherive. Oui. Ok. Et les fils de bord de ciel accueilleront cette aurore en souriant de toutes leurs dents et en brandissant leurs épées. L'heure a sonné. Hâtez-vous de rejoindre notre camp à Blancherive. Je veux que vous soyez en ligne de front. J'ai un pressentiment à votre sujet. Votre place est sur ce champ de bataille. Je veux que vous vous y rendiez. Beaucoup mourront de ma main. Alors ils rejoindront les dieux auxquels ils croient encore. Que Talos soit avec vous. Ok. Ok, ok. Bon, et bah les gars, on y est. On y est. Je vous le dis honnêtement. On doit faire tomber Blancherive. On doit faire tomber Blancherive. Donc, je vais tout simplement trahir le Jarl Balgruuf. Hein. Au final, je l'aime pas trop. Il fait un peu trop le malin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il fait un peu trop le gâcho. Il est sûr de lui, tu vois. Putain, les aurores boréales. Oh là 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 là. Toujours un plaisir. À chaque fois, je vais vous faire la remarque. Hein. Lydia, faut qu'on parle un petit peu. Il faut qu'on échange certaines choses. Mais ici, tout de suite. Arc impérial de réduction. Dégâts 10. Ouais, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est le feu. 10 de dégâts. Si. On verra. Peut-être que j'aurai besoin d'un arc si c'est un combat à distance. Je pense être prêt. Sincèrement, je pense être prêt. Hein. J'aurai des trucs à revendre, bien évidemment. Hein. Je pense que j'aurai pas mal de trucs à revendre. Attends, Lydia. Que puis-je faire pour vous, Tan ? T'as pas détenu, toi ? Non, bah non, non, je t'ai tout donné en fait. Hein. Je t'ai tout donné. Ouais. Ok. Ouais, eh ben écoutez, mesdames et messieurs. Je vous propose tout simplement ce qu'on appelle, encore une fois de plus, un déplacement rapide. Et je crois que c'est où que je dois aller, en fait? Ah, c'est là. Très bien. Prenez vos ordres auprès de Galma, rue de Point. Camp militaire de Blancherive. Vas-y, j'y vais. C'est parti. Ça risque de saigner violent. Je vous le dis, ça risque d'être assez épique. Ah, très bien. Oh, putain de merde. Putain de merde. D'accord. C'est l'embrouille, hein. Là, c'est l'embrouille. Oh là, je vole. C'était très bizarre. Que notre cause est infondée et que nous ne sommes rien de plus que des voleurs, des malfrats et des... Mais non. Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de marchands, de domestiques et de soldats. Nous sommes les fils et les filles de bord de ciel.
Nous sommes arrivés jusque-là parce que notre cause est juste. Parce que nous nous battons comme un seul homme. Parce que nos cœurs débordent de rage. Ce que nous faisons ici aujourd'hui, nous le faisons pour notre pays. Pour tous les véritables nordiques de bord de ciel. Les remparts de Blancherive sont élevés, mais ils sont vieux et à deux doigts de céder. Tout comme l'Empire que la Légion borne. Ils ont monté des barrières. Ok. Et nous allons les détruire avec les impériaux qui se cachent derrière. Notre objectif est le pont-levis. Si nous réussissons à le baisser, la ville sera à nous. Tous avec moi, montrons à ces minables impériaux à quoi ressemblent de vrais nordiques. Prenez vos ordres auprès de Galmar, c'est fait. Ok, bah écoutez, on y va, enfoncez la barricade ennemie, putain ça chie hein. Les gars, c'est la guerre, c'est la putain de guerre, c'est Game of Thrones, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, et bah c'est parti. Je me prépare, hein, n'est-ce pas? Attendez, j'ai juste peut-être regardé un peu la magie. Ouais, dans les sorts de destruction. J'ai pris les étincelles là, ok, bah je vais prendre... On va prendre du petit froid mordant. Ah non, bah non, je suis con. Bah non, c'est des nordiques. Donc hop, on va prendre les flammes, ça marche toujours bien. Si eux utilisent du feu, moi aussi, voilà. Trop bien fait, c'est énorme. Eh, le cheval de Jojoto, c'est là par contre, respectez mon cheval. Hein. Il y en a un qui le touche, je lui tranche la tête, voilà, simplement. Oh, il y a du monde, voilà, il y a du monde. D'accord. Ouais, lui, bon, ok. Lui gros, il a pas eu le temps, hein. Qu'est-ce qu'il a là-dedans? Flèche d'acier. Ah oui, c'est vrai qu'en plus ça pèse pas, j'avais oublié. Bah, je prends les flèches d'acier, je vais vous écouter hein, désormais. Je vous écoute et je prends les flèches d'acier. Comment on enlève ça du coup là? D'accord, voilà. Il suffit juste de le péter. Enfin, et toi, il faisait les malins tout à l'heure, il faisait les poteaux. Ouais, Rivebois, c'est des pauvres. Ah d'accord, les cadavres ont disparu sans pression. Très bien. Toi, tu fais quoi, toi? Tu vas faire quoi, toi, avec ton arc? Ah, t'as vu, il a changé, hein. Il était à l'arc, il a pris l'épée direct, le petit bâtard. Je prends les flèches, et c'est vrai que ça fait du pognon. Maintenant, comme je vous ai dit, je prends. Voilà, je prends, sans aucune once de pression. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Ok, non, faut aller là-bas. Très bien. Waouh, je me suis pris des flèches, gros, je suis pas bien. Hop. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, hein? Voilà, fais pas trop le malin avec moi. Bouclier de la garde de Blancherive. Pas dégueu, ça? Non, j'ai pas pris. C'est trop de la merde, en fait. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, putain? Et par contre, la magie, ça commence à me saouler, hein. Ça commence à me saouler. J'en ai presque plus, si. Potion de magie profuse, 75 points de magie. Non, je vais garder, quand même. Sinon je prendrai une épée au pire, hein, je m'en bats les couilles. Honnêtement je m'en bats les couilles. Hop, flèche d'acier, on prend les flèches d'acier bien évidemment. Oh le monde qu'il y a gros. Voilà, lui il est mort, hop. Et bah voilà. Nickel. J'ai activé le pont-levis. Regarde, ils se retranchent, ces petits bâtards. Ah, il y a tout ça encore. Ah, très bien. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde au portillon, gros. Je les ai arrachés. Très bien. Ils ont pas eu le choix. Ils ont dû mourir dans la trop souffrance, tu vois. Ok. Bah, les flèches. Je prends les flèches, hein. Ça rapporte du pognon, je prends. C'est qui, ça? C'est encore des ennemis, eux. Voilà. Hop. C'est bon, on rentre maintenant? Ah très bien, faut rentrer, d'accord. Allez, on va trahir, putain c'est terrible. Je suis mal hein, en plus il y a ma maison qui est dedans gros. Ne déconnez pas avec ma maison hein. C'est qui ça? Ah c'est un... Bah vas-y, hey, les gars, ils s'en occupent, c'est gratuit hein. Voilà. Crois-moi qu'il n'y a pas grand monde dans les rues, hein. Les habitants... Ah si, regardez-le, lui. Je l'ai vu.
Allez, venez. Putain, mais lui, il y va avec sa hache, il s'en bat les couilles, gros. Lui, c'est un ami. Vaut mieux que tu sois ami. Moi, je t'arrache immédiatement. Eh, hey, les gars. Eh. Hey. Je récupère. Hop. Voilà, très bien. Ah ouais, c'est le ghetto, hein, gros. C'est vraiment le ghetto, hein. Ça, je suppose, faut le péter. Voilà. Eh. Hey. Mon feu fait la différence, quand même. Je veux pas dire, mais j'arrache. J'arrache clairement. Hop, on prend ça. D'accord, ok. Ils ont vraiment tout barricadé. Hein. Ils sont vraiment partout. Eh, gros! La vache, ça, je l'avais oublié. Je vais pas la tuer, hein. Bien évidemment, je ne la tuerai pas. Oh non, gros! Ouais, j'aurais peut-être pas dû m'isoler, en fait. J'aurais clairement pas dû m'isoler. Mais bon, c'est pas grave. Eh, les gars. Presque plus de magie, par contre. Ils sont où mes poteaux? Ils sont en train de se... Ouais, ok, ils sont en train de s'arracher. Ils se pètent des grosses frontales, là. C'est bon, ça marche. Ok, très bien. Parfait. Là-dedans, il y a quoi? Flèche d'acier. Putain, et quand je vais revenir dans la ville, quand ça sera calmé, tout le monde va dire « Ouais, t'es un putain de traître, franchement, c'est honteux. T'es qu'une petite merde, t'es qu'une salope. » Eh, gros, c'est sérieux, là? M'arracher comme ça alors que je t'ai rien fait? J'ai été pote avec toi pendant des années? Eh, allez, faites le taf un peu, faites le taf. Voilà, hop, on prend bien évidemment les flèches d'acier. Hein. C'est cadeau les gars. Voilà, terminé. Putain, trop bien, trop bien. Je le veux dans ma team, lui. Et Talos vous garde. C'est bon, ça s'en va ou quoi? J'ai pas envie de baiser toute ma magie pour ça non plus, tu vois. Enfin, il y a un moment, les gars, stop. Bon, et bah let's go. C'est terrible. La trahison suit son cours, mesdames et messieurs. Ah, très bien. Voilà. Flèche d'acier, hop, flèche d'acier. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Très bien. Merde! Waouh! Lui il va arracher. Lui par contre, gros, je suis pas bien. Hein, clairement, je suis pas bien. Voilà, très bien. Accepter la capitulation du Yard Bagrufleau. Par contre, les gars, j'en profite immédiatement. Ah, je vais pouvoir tout carotte. Trop bien. Vignard Gristoison. Je me disais bien que votre famille avait brillé par son absence. Donc là, c'est pas du vol, alors? Ah, c'est toujours du vol. J'en profite. Hein. Voilà. C'est une position confortable pour le moment. Mais je vous le dis, vieil homme, dans les jours qui viennent, Ulfric va disperser sa petite rébellion. Et que se passera-t-il alors? Nous avons autant besoin de l'Empire qu'il a besoin de nous. Nous autres nordiques sommes l'Empire. C'est notre sang qui l'a construit, qui le fait vivre. Vous devriez le savoir. Si j'étais mon Empire... Salut, camarade. Je pourrais adorer qu'il me... Merci. Nous n'aurions pas réussi. Vous voulez un Empire sans talons? Hey, tout le monde me parle, là! L'Empereur n'est qu'une marionnette aux mains des Talmor. Port de ciel a besoin d'un haut roi qui est un joli petit homme. Mais gros! Rive a besoin d'un Jarl qui fasse de même. Dites-moi, Vignard, ça en valait vraiment la peine? Combien de ces cadavres jonchant nos rues affichent les visages d'hommes qui vous considéraient autrefois comme leur ami et leur famille? Assez, ça suffit, vous deux! Il y a une ville en flammes qui a besoin d'un gouvernement. Il a raison. Viens, Galmar. Allons remettre un peu d'ordre. Ce n'est pas terminé. Ah, d'accord. Vous entendez, vieux fou? Ce n'est pas terminé! Et vous? Avec les sombrages? Oh! J'avais une plus haute opinion de vous. Vous allez tous regretter ce jour. Rendez-vous à Vendôme. Prévenez Ulfric de notre victoire. D'accord, gros. Je vais prévenir Ulfric de notre victoire, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bon,
Je suis un peu mal. Je cache pas que je suis un petit peu mal. J'ai trahi frérot qui m'a accueilli, alors que j'étais au plus mal, mais bon. Bon, c'était un peu le bordel, cette quête. Hein. Pas évident de... Voilà, hein, tu vois, c'était un peu la misère, mais bon. C'est comme ça. Hein. Bon, là, je crois que j'ai tout fouillé, normalement. Oui, tout a l'air d'être plutôt tranquille, n'est-ce pas? Oui, allez. On file de là. Bon, on doit aller à Vendôme et prévenir l'autre qu'on a, bah, qu'on a tout simplement cassé des bouches. Hein. Je pense que c'est, ce, c'est le terme à utiliser. Bon. On sent qu'il y a eu embrouille dans le ghetto. Hein, on est plus dans Resident Evil 2 ou 3 que Skyrim. Mais bon, c'est pas grave les gars. Regardons notre carte ainsi que nos objectifs. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Ici, bah toujours. Eh, pareil, les gars. C'est le palais des rois au calme. Hein, ils m'attendent là-bas. Donc je vais, bien évidemment. Par contre, je suis encore niveau 9. Comment ça se fait ça que j'en ai pas de level? J'aurais dû déjà augmenter de level. Palais des rois. Hop, let's go. Nous fondre dessus à tout moment. Bizarre que je sois pas encore niveau 10. Ça fait un bout de temps que je suis niveau 9, je trouve. Mais bon, peut-être que je ne me fais que des idées, n'est-ce pas? Ok, je suis détecté, ça ne sert à rien. Nous avons bouté les impériaux hors de Blancherie. Oui, tout à fait. Nous avons bouté les impériaux hors de Blancherie. C'est bien. Très bien. Nous contrôlons maintenant le centre. C'est une position stratégique que j'entends bien conserver. Nous vous appellerons Veine de Glace maintenant. Oh, épée orc. Car le sang épais de nos terres s'est infiltré dans votre cœur. Tenez, acceptez ceci. C'est une épée d'officier impérial. Une arme appropriée pour lutter contre notre ennemi. Qu'allons-nous faire ensuite contre l'Empire? Je me doute que vous nous seriez plus utile si vous disposiez d'une plus grande marge de manœuvre. Alors vous êtes libre d'engager le combat contre les impériaux comme bon vous semble. Mais je veux également que vous trouviez notre corps secret des permis. Galmar vous confiera des missions particulières et aura besoin de vous pour libérer la capitale. Compris. Le Talos vous guide. Ok, bon par contre les gars, je suis bien trop lourd pour courir, hein, une fois de plus. Voilà. Faut que j'échange des trucs avec toi, Lydia, hein, tu vas te calmer immédiatement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai en arme? Arc impérial. Donné, hein, j'en ai rien à foutre. Dague de fer, pareil. Flèche d'acier, oh là là. Pardon, j'ai dû éternuer. Hein. Les gars, je suis enrhumé. Veuillez me pardonner. Il est très galère cet épisode. Je le fais dans des conditions assez difficiles aujourd'hui. Je ne vous le cache pas. Je vais pas vous dire les détails, mais bref. Épée d'or que flambée, putain. Ça, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais je lui donne hein, quand même. Parce que je n'ai rien à foutre. Et puis, bah, ça, je garde. Hein, ça sert à rien. Voilà, c'est très bien. Ok. Ok, ça, en tenue. Amulette de Sendar, putain j'ai grave de trucs inutiles hein, par contre. Hein. C'est... Bah, j'ai beaucoup d'objets volés, faut absolument que je fasse le truc de la guide des voleurs. Hein. Je pense qu'on va faire ça pour le prochain épisode parce que là ça... Non, ça peut plus, ça peut plus. Qu'est-ce qu'il me demande en quête là? Qu'est-ce qu'il me demande en quête maintenant? Libération de bord de ciel, libérer la châtellerie d'Épervine. Eh ben écoutez les gars, on va aller à Épervine. Hein. Apparemment faut casser des bouches partout, donc on va y aller. Let's go, je regarde la carte, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est s'il vous plaît? C'est là! Voilà! Très bien! On va aller ici alors. On va aller à Helgen. Je crois que c'est un donjon. Le donjon de Helgen. Je sais plus si c'est un. Non, je crois pas que ce soit un donjon. Je ne suis pas sûr. Ok. Et là, je dois aller. Attends, pourquoi j'ai 40 objectifs là? Non, c'est par là, c'est bon. Là, j'y suis allé ou pas en fait? Je comprends pas. Normalement, oui. Non, j'ai évité en fait, j'ai évité. Apparemment, il y a grave embrouille là-bas. Eh, le cheval de Jojotos, comme toujours. Allez, on est parti. On va au moins aller jusqu'au camp, on va voir ce qui se trame là-bas. Et puis voilà, je suis désolé, j'ai le nez bouché, c'est terrible. C'est comme les bébés, genre ils ont... C'est pareil, je suis vraiment pas bien. Mesdames et messieurs, je ne suis clairement pas bien. C'est assez infâme, mais bon. Oh là, regardez-le. Il va plus vite que moi, tu sais. Ok, waouh, on va dans le maquis là, c'est trop bien. Ok, normalement ça va être dans le coin, je suppose, je crois, j'espère. Non, non pas du tout, pas du tout, faut aller encore là-bas sur la route, faut contourner. Hein. Et je crois que ça doit être là. Oui, on y arrive tranquillement, n'est-ce pas? Putain, un petit dragon, ça serait le feu hein, quand même. Haha hein. Eh, hey, hey, le petit jeu de mots, dragon feu, tu vois. Non. TG. Ok, camp des sombrages d'Épervine, nouvelle découverte. C'est très bien.
Allons voir ce qui se passe là-dedans. Oh, et les gars, il y a des chevaux. Mais bon, j'ai déjà le mien, donc je vais pas faire le con. Ça peut vite partir en couille. L'Empire est faible. Salut, Galmar. Morts innombrables en autant de nuits d'insomnie. Au rapport. Vous allez à Fort Néograd. Certains de nos hommes sont enfermés là-bas. Avec un peu de chance, nous pourrons retourner la situation à notre avantage. Ah d'accord. Les éclaireurs étudient les alentours. Allez à leur rencontre. Trouvez un moyen de vous introduire, de libérer nos hommes et de reprendre le fort. Ils ne s'attendront jamais à une attaque de l'intérieur. Ce ne sera pas facile, mais c'est pour cela que c'est vous que j'envoie. Vous avez le cran de mener cette mission à bien ? Je ne sais pas trop, il faut que j'y réfléchisse, rien qui ne soit pas à ma hauteur. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Allez-y, mais soyez rapide, à moins que vous ayez mieux à faire que de vous battre pour le peuple de Bordeciel. Hop, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas trop de temps pour moi. D'habitude, je propose ça, des épisodes assez longs. Là, du coup, il sera un peu moins long, j'en suis désolé. Mais, hé, les gars, vous pouvez comprendre, j'ai une petite vie aussi à côté, hein, n'est-ce pas? Oh là! Tu sens qu'il veut m'arracher, il est pas bien. Donc, voilà, on fera cette quête la prochaine fois. Il faut absolument que je commence aussi la souricière et la guilde des voleurs pour que je puisse revendre mes objets, hein. Clairement, je vous le dis. Et puis voilà, j'espère au moins que cet épisode riche en action vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Voilà, ciao tout le monde.